Live Dieu. Donc c'est ça. Tu peux avoir le plantain de 500. Can you feel it, honey? Can you feel it, honey? Now you're way past that. All that bad, 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 bad. So bad, 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 bad. Can you see it, honey? Can you see it? See you past the trouble. Now you know the meaning of it all. All, 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 all. It all. Le sexe a souffert avec toi, mon frère. But that one afternoon, you finally moved on. Letting go of all that he said and finally kept for yourself, you really moved on. Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors vous m'avez vu déjà vlogger un tout petit peu hier. Ouais, quand je suis allée faire les courses et tout et tout et tout. Donc aujourd'hui c'est mardi soir. Je suis à la maison depuis le matin. Je travaille, j'ai filmé, j'ai fait un reel qui est le crash test que vous avez déjà vu certainement. Qui est le crash test en des fonds de teint bold makeup. Let me tell you one thing. Let me tell you something à propos du fond de teint bold makeup. Mali, donne-moi mon miroir là, s'il te plaît. Que je me rassure encore avant de parler. Because je suis choquée. Je suis choquée. Le fond de teint de chez Bold Makeup, c'est pas votre égal en fait. Voilà. Je voulais juste confirmer ce que j'ai à dire avant de continuer à parler. Le fond de teint de chez Bold Makeup, c'est pas votre copain. J'ai pas utilisé ça depuis, je crois que ça fait peut-être un mois que je vous ai montré ça ici, que j'ai reçu et tout et tout et tout. Depuis, j'ai pas utilisé parce que je me disais que j'ai envie de crash tester ça. J'ai envie de faire un reel où je fais le crash test et tout. Et c'est ce matin que j'ai fait ça. Alors, premièrement, la teinte que j'ai reçue, c'est absolument pas ma teinte. Ça n'a rien à voir avec ma teinte, ok. Je suis c'est peut-être trois teintes plus claires que ce que je ne suis normalement, ok. Mais je me suis dit, j'ai failli arrêter le crash test en fait, j'ai failli me dire non, je ne fais pas le crash test, ça sert à rien, c'est pas ma teinte. Mais je me suis dit, ah c'est juste du fond de teint, c'est juste du make-up, j'ai des fonds de teint qui sont plus clairs, donc qui sont plus foncés autant pour moi, donc je peux très bien rattraper. L'itekaï, non. Donc je peux très bien rattraper et tout, et c'est ce que j'ai fait. Alors la teinte de fond de teint que j'ai reçue de chez Bold Makeup, c'est Café Latte. Du coup, j'ai rattrapé avec la teinte numéro 200. De chez Juvia's Place. Mes amis, le fond de teint Bold Makeup n'est pas cher pour rien. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que le make-up, c'est que vous voyez là. J'ai fait ça ce matin, il était 10h. Là, il est comme 19h ou 20h, presque 20h. J'ai appliqué le fond de teint sur mon visage. Le fond de teint, ça n'adhérait pas bien. Pourquoi? Parce que j'étais en train de filmer sous le soleil. Je voulais avoir une ambiance un peu style rayon de soleil et tout et tout et tout. Donc, j'ai pas mis la clim, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Ça fait que j'avais chaud et je transpirais de temps en temps. À côté de ça, ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que... Bon, la première difficulté du coup, c'est que le fond de teint, c'est pour ma teinte. Deuxième difficulté, c'est que j'étais sous le soleil, il faisait chaud. Troisième difficulté, c'est que ce matin, je me suis levée et j'ai lavé tous mes pinceaux, toutes mes houppettes. Donc, du coup, j'ai séché avec le sèche-cheveux, mais c'était pas assez sec. Donc, j'étais en train de travailler avec des instruments mouillés. Malgré tout ça, bon c'est vrai que je suis aussi une pro à la base, voilà. Malgré tout ça, regardez le résultat que j'ai pu obtenir. Même dites-moi, je n'ai pas de plis sur mon visage. This is mind blowing. Je n'ai pas, regardez mon front aussi qui fait souvent les plis. Je n'ai pas de plis sur mon front, je n'ai pas de plis, même ici. Ici là. Dites-vous que j'ai transpiré. Je crois que j'ai même fait des... Bref, en gros, les fonds de teint, j'ai vraiment hâte de tester le fond de teint de ma carnation. Mais je peux dire que franchement, c'est pas n'importe quoi. Alors bien sûr, avec ça, j'ai utilisé tous mes produits vraiment top top là, les produits qui sont en top de ma liste. J'ai utilisé tous les produits qui sont en top, mais franchement là, c'est vraiment un produit premium. Donc quand ils te disent que le fond de teint c'est quoi, c'est 20 000 là, 15 000 ou 17 000, quelque chose comme ça. Franchement, je pense que ça vaut le coup parce que les fonds de teint, du fond de teint Juvia's que j'utilise, il est moins bien que le fond de teint de chez Bold.
fond de teint du Vias est moins bien que le fond de teint que je porte en ce moment. No jokes, like, clairement, il n'y a rien à voir. Le fond de teint du Vias est moins bien que ce fond de teint-ci. Et j'achète le fond de teint du Vias à quoi? 14 000 chez Esa Cosmetics. Tu vois. Donc, franchement, agréablement surprise, mais surtout contente parce que ça me fait un produit que je pourrais considérer dans la reconstitution de ma trousse de make-up, which is cool. Si vous voulez essayer les produits Bold, franchement, je vous encourage. Yeah. Anyway, je voulais juste ouvrir le vlog ici. Il est presque 20h. Malik est en train de lire ses cahiers. Moi aussi, je suis sur un montage. Là, j'attends que ça se processe. En fait, je suis un peu... Je crois que j'aurai mes règles ces jours-ci. Donc, je suis un peu slow. J'ai juste envie de dormir et tout. Mais bon, bref, voilà. Ça va aller. Ok? Ça va aller. Donc, on se dit à plus tard. Ok. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et venez également me rejoindre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur YouTube. Donc, on se dit à plus tard. Et en passant, je ne sais pas comment dégonfler les ballons aussi. Les ballons que j'ai utilisés pour faire ma vidéo de 100 000 abonnés, là, je ne sais pas comment. J'ai mis ça ici, là, sous la table aussi, mais je ne sais pas comment les dégonfler. J'ai essayé, j'ai regardé les tutos, mais je ne sais pas comment les dégonfler. Si quelqu'un sait comment on dégonfle les ballons, c'est sans percer, parce que je pense que c'est dommage d'acheter un ballon à 650 et de jeter ça après une utilisation. Je pense que ça pourra toujours servir. Donc, voilà. Bye! I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, oh, oh. Hey guys, bonjour, je suis en train d'aller, enfin je suis chez Carrefour Market pour acheter de l'eau. Alors il y a de l'eau, il y a les garnitures, seulement les deux là. Après je vais oublier, bref, et je veux trouver un adaptateur pour mon micro pour pouvoir faire les audios. Pourquoi l'éclairage est bizarre alors que my skin is skinning, alors même pas en mode auto. Bref, c'est pas mieux, hein. Je sais pas, quand je suis pas maquillée, parfois je déteste cette perruque du plus profond de mon être, hein. Bref, au revoir, on se parle tout à l'heure. Pourquoi ça fait ça? Ouh, bon, je dis, pourquoi les mouches aiment entrer dans ce véhicule? Sortez madame. J'ai pas trouvé ce que je voulais, il me faut vraiment le truc du micro là. Demain, je serai en live avec Loco. Je ne vous ai même pas dit. Demain, je serai en live avec Loco sur Instagram. I need me that thing, ok? Mais tu sais, il a quel problème même avec sa voiture, là? Tu vois l'alarme qui fait biper le véhicule, là? Depuis tout à l'heure, ça ne fait qu'on dirait qu'il est en train de voler la voiture, mon frère. On dirait qu'il est en train de steal la car. Alors que probablement pas. Je viens de rencontrer un abonné là-bas à chez Carrefour Market. Il dit, Batonda, bonjour. Je te suivais pendant le bachelor. J'espère qu'il y aura la saison 3. Et ce man dit, bien sûr, mon frère. Il n'y a pas la saison 3 qu'on compte sur quoi. On est en train de hustle la saison 1. En attendant la saison 3, ou bien? Donc là, du coup, je suis en train d'aller chercher Malika. Baby,
les amis, bonsoir. Aujourd'hui, je pense pas qu'on se soit parlé depuis le début de la journée. Aujourd'hui, c'est vendredi, il est 19h44. Hier, on s'est parlé, je vous ai dit que j'allais être en live avec Loco. Qui, maman? Qui? Je vais être en live. J'ai dit que non, dès que Loco va parler, va tomber et va nuire. Ouais, je suis fatiguée, mon Dieu. Aujourd'hui, je me suis levée à 5h comme d'habitude. Sachant déjà que je me suis endormie à peut-être 2h. Je me suis levée à 5h. J'ai apprêté la gossine. Je suis revenue ici. J'ai travaillé sur mon ordinateur. Malika! J'ai travaillé sur mon ordinateur. J'ai filmé. Non, je me suis maquillée, j'ai filmé. Je me suis maquillée. J'ai commencé à filmer dès midi. Je suis partie en ville faire une course vite fait à Deido. Je suis partie chercher Malika. Je suis revenue. J'ai filmé encore. J'ai travaillé sur mon ordinateur. Et là, je suis en train de coordonner les questions pour le live. Il est 19h45. Comment vous dire que je suis Kaput de chez Kaput.fr? Mais c'est pas grave, ok? On va faire ça et on va rock ça, ok? Donc, c'était juste pour check-in. Je vais essayer de vlogger quand je serai en live avec lui. Pour que vous puissiez voir un tout petit peu comment ça se passe et tout. Je voulais acheter le micro. Hier, je vous ai dit que je voulais acheter le micro. Je n'ai pas trouvé. Je suis vraiment dégoûtée. Mais je pense que voilà. On va fermer toutes les fenêtres. Et je pense que l'audio sera correct. Même sans micro. Je ne sais pas. Donc, c'est ça pour ça. Je voulais juste check-in avec vous. Je vais continuer à faire mes questions. Et on se reparle tout à l'heure dès que le live commence. Guys, allô, allô, bonsoir, allô, allô, tu m'entends, je lance, oui, tu peux lancer pour commencer, oui, en tout cas, il est après, ok, d'accord, c'est bon, alors, je lance dans 5 minutes, alors, tu peux commencer, comme tu veux, et puis en 21 ans, il va se connecter, ça marche, donc il va venir sur mon live, et puis je vais l'ajouter, c'est ça, non? Exactement, oui. Alright, ok. Je suis pas experte en live, donc vraiment, voilà. Tu es experte en réseaux sociaux, ça va. Ok, tout à l'heure, alors à tout de suite. Souris encore une fois, alors. Non, là, je vais sourire par exemple aussi. Tu vas voir le sourire là comment? Avec. Je ne sais pas encore, c'est un peu limite. Et là, là, j'ai un peu. Ouais, mais je veux bien. Je vais essayer de... C'est pas Loco, Malika, c'est pas Loco ici. La gosse est fan de Loco. Oh là là. C'est pas encore lui. Quand il sera là, elle te dit... Je lui ai dit non. Elle est contente. Mal. Elle est mal contente. Elle dit que quand elle va le voir, elle va tomber évanouie. Ok, d'accord, ok. Tu t'es dit que tu ne viens pas sur moi là, les cheveux là, non? Ok. Il y a pas comme ça là. Tu ne viens pas sur moi là, les cheveux comme ça là, je te dis déjà. Regarde comment... Il t'a dit de ne pas détacher ça. Tu ne m'as pas écouté. Cette année, on a décidé qu'on allait level up. Ok, on va... Tu vois. Et forcément, si tu as 10 ans de carrière, ça veut dire que tu passes ton temps à level up. Si tu es sur place, tu ne vas jamais faire 10 ans de carrière. Donc, donne-nous ton secret du level up. Bah. Donc, on veut ça. Parce que cette année, nous-mêmes, on a fait l'équivalent du papozi dans nos vies, dans nos domaines respectifs. Donc, donne-nous un peu tes secrets. Qu'est-ce qui te permet de toujours te surpasser et voilà, évoluer au quotidien dans ta carrière? Ah, je dirais, c'est vrai, il faut célébrer les victories, mais... Il faut vraiment se projeter. Okay. Projetez-vous le plus loin possible, sans aucune limitation. Yeah. Vraiment, c'est-à-dire à un moment, enlève toutes les préjugés de la société, toutes les limitations, yeah. Peut-être même parfois qui sont ancrées dans nos propres familles, dans notre propre éducation. Projette-toi le plus loin possible. Yeah. Bien sûr, dans la mesure de ce qui est possible, il ne faut pas rêver de manière délusionnelle. Mais quand même quelque chose de concret. Ouais. Mais lorsque tu as quelque chose de concret, que tu vois le end point,
sincèrement, à un moment, tu as quelque chose qui te permet de continuer à avancer. Les gens me parlent souvent de « oui, j'ai envie d'être motivé, j'ai envie de mettre… » Non, c'est pas… Je dirais c'est plus être inspiré. Tu es inspiré par toi, le toi de demain, le toi que tu as vu et que toi seul peux voir de manière aussi détaillée là-bas, là où tu es la seule à savoir vraiment que tu vas arriver. Après ça, you will keep going, keep going, keep going. Et les portes vont s'ouvrir. Accepte yeah. d'encaisser quand tu le prends d'encaisser et continue d'avancer. Oh, thank you. Pourquoi? Et mon choix, si c'était la NAC. Anak plus plus. Hello guys, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous on vient d'arriver chez le dentiste. Pourquoi tu te caches? Nous on vient d'arriver chez le dentiste. Je viens tout juste d'arriver chez le dentiste comme ça. C'est samedi aujourd'hui. On va reparler tout à l'heure. Je sais que hier on ne s'est pas reparlé après le live, je crois bien. But yeah, juste pour check-in. On est samedi aujourd'hui. On est chez le dentiste et. À tout à l'heure, toujours avec mon tote bag. Le tote bag, si je n'avais pas eu ça, franchement, je sais pas de quoi ma vie allait être faite. Bref, let's go. Malika, tu ne dis pas bonjour. Non, à tout à l'heure. Tu peux sortir. Like a Grammy 너를 take 매일 갖고 싶어 너만 생각하면 높이 날아 I heard that you've been just searching for someone when you need me right now It's now or never, babe I just wanted you to see It's natural desire Cause you need me right now, now, now With you Body with you, I can feel it, feel it, feel it in my Hi guys, mind. On a fini. Franchement, ça fait du bien. Mets ta ceinture, Monica. Franchement, ça fait du bien d'avoir des trucs tout propres là. Franchement, ça fait du bien. Ça fait un grand bien, honnêtement. Quand ça commence à jaunir là, j'ai fait 3 semaines. J'ai fait 3 semaines sans aller chez le. Sans aller chez. Mets ta ceinture. J'ai fait 3 semaines sans aller chez le dentiste. Et la couleur des élastiques là, ça ne me donnait plus envie. Donc franchement, ça fait du bien. Ça fait un grand bien. Là, je suis en train de vouloir aller laver la voiture. Je veux aussi aller faire quelques petites courses. Il y a des trucs qui manquent à la maison. Il y a un peu de pain. Il y a les petits trucs là qu'il faut. Bye. Oh bébé, n'oublie pas, je n'ai rien pour toi, mais je peux. Oh le live d'hier, le live d'hier était top. C'était vraiment trop bien. C'était chill, mais il a duré. J'aurais pas dû lancer à l'heure à laquelle j'ai lancé en vrai. Il y a des gens qui sont venus, mais qui sont partis et qui sont pas revenus, je suis sûre. Mais sinon, le live était bien, c'était fun, c'était pas trop long. Ça m'a trop fait penser au Paris Show. Oh, il faut que je relance le Paris Show. Oh my god. Faut que je relance le Paris Show. C'était bien, hein, franchement. On a bien discuté, on a bien papoté. Et c'était vraiment bien. Ça m'a trop fait penser au Paris Show et j'ai trop envie de refaire le Paris Show. Ok. C'était bien. Il a chanté Oh bébé, il n'oublie pas. Et on a parlé de son concert. J'ai laissé le replay, mais je ne sais pas si ça va rester là indéfiniment. Laisse d'abord. Je sais pas si je vais laisser le replay là-bas indéfiniment, mais pour l'instant j'ai laissé. Complet. Les choses sont trop chères. Franchement, c'est abusé là. C'est juste abusé. On a fait. Oh. Ah oui, on nous a filmé, on nous a fait les street pics. Malika a aussi eu les street pics. Je vais vous montrer.
On a pris un papier hygiénique, quelques yaourts Tino. Morning. Et quelques apportoirs. Alvéole d'œuf. C'était combien? La dernière fois que j'ai acheté, c'était 1200. Ça, c'est les saucisses. De toute façon, c'est vert là. Ah non, c'est les condiments. Ils disent qu'ils ont emballé ça aujourd'hui. J'espère que c'est les condiments qui rendent ça vert comme ça là. C'est 4 grosses saucisses à 2377 francs. Ici là, hier, je ne sais combien de pain, mais le tout ça fait 600. Ça, c'est les ailes de poulet à 1811 francs. Si j'ai pris de la tomate et un poivron. Le poivron là, c'est moins de 100 francs, c'est gros quand même, c'est 72 francs. La tomate, c'est 200, on dirait la tomate de 200 au marché. Et il y a ce truc-ci là que Manika a acheté, je ne sais pas combien ça coûte, oh my god. Bon, j'ai pas signé. Les œufs, c'est 1300 s'il vous plaît. Ah, oh, ça vient comme ça, ça vient comme ça. Son cake. 160 francs. Mais c'est pas non plus ouf. Carottes, haricots verts, 4 pommes à 1515 francs. C'est pour moi alors. J'ai pris ça pour planter. Les biscuits Naya 50-50. Les biscuits Naya ici. Et les donuts à 600 chacun. Donuts. Le mâche-pied. Hey, ça, c'est la naque. Quoi? Toute la crème qu'il y avait dessus est partie. Tu vois, ils doivent mettre ça dans les petits cartons. C'est quoi ça? On achète quoi à 600? Ouais, hey, mon dieu. Hey guys, bonsoir. Là on est dimanche après-midi. J'ai un événement. Je sais même pas quand était la dernière fois qu'on s'est parlé dans ce vlog. Mali était un peu baisse le volume. Je sais même pas quand était la dernière fois qu'on s'est parlé dans ce vlog. Mais bon, bref, je suis en train d'aller à un event. Ok. À Canal Olympia, du coup. À Canal Olympia, c'est le documentaire, la première du documentaire Cribbage Experience. J'espère que vous pouvez m'entendre sur le micro. Dis-moi. Donc le thème c'est casual chic. Franchement, mon casual chic, dites-moi ce que vous en pensez déjà. Je vais porter le truc de Mojo là. Je me suis Malika, s'il te plaît, je suis en train de parler. Je me suis souvenu que je voulais à tout prix mettre ça avec un truc style combi et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que je peux fabriquer une espèce de combi. Tu vois, avec un top noir et un collant noir. Donc, du coup, ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre des chaussures. Je vais mettre ça. Au départ, je voulais mettre ça avec le collant ci là parce que j'ai aussi la lessive courte de ça pour le côté des contrats. Mais je pense que le collant simple comme ça, ça va. Je pense que ça va, j'ai pas besoin du collant court pour ça. Donc c'est ça, je trouve que c'est pas mal. Ça fait comme un combi. Honnêtement, on dirait un combi. On dirait sincèrement un combi. And I'm here for it. Ok. Je pense que ça va. Je pense que ça va avec mon chignon. Pour le sac, franchement, je suis pas sûre, mais je pense qu'à tous les coups, je vais prendre mon petit sac. Je vais enlever la chaîne. Tu es en train de goûter le trépied. Je vais enlever la chaîne à argenter ici. J'ai l'impression que la chaîne à argenter, là, ça fait un peu too much. Oh, ça aurait été cool si ça pouvait rester comme ça. Waouh, j'aime. Oh, j'aime ça ici. Hein. Mais bon, ça ne reste pas, donc je vais enlever. Il est 16h, l'événement commence à 16h. Donc c'est un peu chaud. J'aime pas arriver en retard hein, pour ce genre de choses là, franchement. J'aime arriver à l'heure, j'aime respecter les gens qui m'invitent. Donc là mon make-up, comme d'habitude, rien de trop compliqué. Je vais juste mettre le gloss. Je vais mettre le gloss dans la voiture quand je serai devant le... Je serai déjà là-bas avant de sortir direct. Donc c'est ça. Je vais essayer de faire une prise un peu plus... Voilà. Quand je vais arriver. Mais je pense que ça va... Chic décontracté. Je pense que ça va. Honnêtement, même si ça va pas, ça va. Ok, let's go. On se prend là-bas. Hello guys. Je viens d'arriver à l'endroit. Je suis arrivée chez ma soeur qui devait garder Malika. Elle n'était pas là. Du coup,
j'ai dû... Bref, en tout cas, l'essentiel, c'est que je sois arrivée, ok? Que je sois arrivée. Mais j'ai comme l'impression que je suis en avance, là. Enfin, mon téléphone est... J'ai comme l'impression que je suis en avance, parce que je vois pas les gens, sauf si tout se passe à l'intérieur. Il est 17h07. L'événement était simple. Du moins, sur le billet, c'est marqué 16h. Bref, je vais juste mettre mon gloss. Je sais même pas si mes baby hairs sont on point. J'ai l'impression que non, mais je réalise que je n'ai pas le gel ici. Je pensais que j'avais laissé un pot de gel ici. Mais je réalise que pas du tout. Donc, here we go, une fois de plus, à Canal Olympia. Je sais pas, j'ai envie de mettre les lunettes ici, but I really don't know comment ça rend en vrai de vrai. Je sais pas comment ça rend. Je sais pas si ça donne en fait. Franchement, je sais pas. Mais bon, bref, on va quand même partir avec. Il me faut quoi là-bas? Il me faut quoi là-bas? Donc, mes chaussures, du coup, je mets ma veste, c'est la veste ou c'est quoi là? J'ouvre quand même. L'air commence un peu à entrer, mon frère. Quel air même? L'air est plus frais ici à l'intérieur que là-bas. Ce petit sac-ci, je sais pas si je vous ai montré, mais c'est ça que je prends. Et je vois un gars arriver en costard, mon frère. Hey! J'espère que je ne serai pas un genre bizarre. Hein. Je vois les gens arrivant en costard, frère. Costard, frère. Anyway, peut-être je vais mettre mes lunettes ici. Oui. Oui, pourquoi pas. Puis c'est un truc qui est... C'est des trucs liés à la plage, machin et tout. Donc, je vois pas pourquoi. Pas trop sérieux. Là, j'ai déjà mis les talons. Je pense que c'est assez. Je pense que c'est assez. J'aime bien lever le frein. Donc, c'est ça pour ça. Je vais essayer de voir si je peux prendre une vidéo de moi entièrement là dehors pour que vous puissiez voir avec le trépied. Anyway. Ok, je vais essayer de sortir pour vous montrer un peu. Par contre, je suis pas à l'aise avec les baby hairs ici. Bref, ça va rester comme ça. So. Bon, ça va, on me regarde comme une folle. Tout à l'heure. Donc voilà le protocole. Là, je vais entrer. Keep on driving and driving along the road tonight. As my head don't feel my spark between the chorus and bottle jar. Just me and all the world. Pour tout l'événement, pour 6 mois. Et on le prépare pendant 1 an. Respectives qui ont accompagné ce projet. Et merci Serge pour les expériences que tu nous offres. Merci pour ce privilège. Merci pour la personne que tu es. Serge par ici. Bien juste que vous savez, parce que je vois vos vidéos sur les réseaux. J'espère que je ne me trompe pas. Faites des vidéos. Voilà, très belle. C'est juste ce que je venais vous dire. Merci. Et puis continuez, hein, on aime ça. Merci. Just me and all the rest.
Hi. Toi, tu es MC quoi? Parce que je vois les MC se donner les noms, les MC Magical, non. MC Extraordinary. Non, je suis MC rien. MC rien. Juste un monsieur qui met la lumière sur les événements. Oh. Bon, je... ça ne pouvait pas vous dire que avoir un nom d'MC c'est mauvais, non, mais juste me dire que moi. Pas d'un truc. Il va en gros aussi. D'accord. Ah, Mr. Joy Giver, ouais, ça c'est tout. Ah, ok, ok, Mr. Joy Giver, ok. Ça n'a rien à voir avec MC, hein. Ah, ok, d'accord, ok. Anyway, thank you for having me. You're welcome. Hey guys, bonsoir. C'était bien parce que c'était un événement vraiment light, ok? Really light. Avec du beau monde, surtout. Very, very important. Il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. C'était light. Ça n'a pas mis long. I'm on my way back now. Donc voilà, il n'y a rien de... J'ai envie de mettre la musique un peu. D'où vient cette lumière? Oh! Hey! I really adore you. All you think about, look at yourself. I keep on falling in and out. Oh, oh, oh. Never felt this way. Yeah, yeah. Making love with you.